Et oui, nous revoilà, comme on l'avait dit, avec les mises à jour faites et beaucoup moins de bugs sur mon PC. Hein? On voit déjà une très belle différence. On va aller changer YouTube. On va aller changer un petit peu. Ah ouais, oh, ouais, les mises à jour, là, le nettoyage à fond du PC, ça l'a grandement aidé. Regardez-moi la vitesse à laquelle je surfe. Ouais! Bon, OK. Ouais, non, le PC avait quelques petits problèmes. Hein. J'ai dû carrément juste... ouais, bon, ça, c'est la suite. On va changer le nom. Ouais. Modifier la vidéo. Donc, on va partir en grand pour coder nos c'est parfait. Code bot Discord, hein, suite. Ben oui, c'est la suite. On code un bot Discord en testant les tutos du web. Ben oui, parce que là, sachant que même si je suis capable de coder, le problème, c'est que j'en ai perdu. Hein? On se le cachera pas, j'en ai perdu. Oui, je suis capable de coder, c'est pas un problème, je suis très débrouillard. Sauf qu'on voit si on est capable de coder plus facilement et plus rapidement en prenant les tutos de web. Donc, ce qu'on va faire, sachant qu'on est capable déjà de faire des magnifiques bots très faciles d'utilisation, hein, je l'ai montré hier sur ma chaîne ici, là, juste ici. Déjà, on va y ajouter un rôle. Oh ouais! Ok, ben ça, on fera ça plus tard. Minecraft Palladium. Sachant que celui-là, il cite... modifier le salon de l'automobile. Ça, on va pouvoir le supprimer. Oui, bon, OK. En gros, ce serveur-là servait à plusieurs choses. Sauf que là, actuellement, le problème, c'est que... j'ai dû faire quelques petites modifications sur mon serveur, tout simplement parce que je n'ai plus ma guilde à l'ordre du mobile. Donc, ça, on peut supprimer ça. Bon, OK, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On rajoutera des salons éventuellement. Bon, OK, là c'est parti mon kiki, on rentre un petit peu dans le vrai. On a notre bot army. On va aller se faire joindre tout simplement notre robot supplémentaire F5. What? Oh my gosh, what the fuck? Ça recommence encore.
Ouais, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a encore eu une mise à jour pour Node. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, mon Node niaise complètement. Des fois, d'autres fois, non. On va juste essayer de voir si... Activité initialise. Ouais, il y a vraiment un problème technique avec le Nodes. Encore une fois! Pourquoi ça arrive juste en live? On a fermé, on a redémarré. Normalement, ça va fonctionner. Je dis bien normalement. Eh oui, bon, ça fonctionne. Donc, ce que vous devez savoir pour le prochain code qu'on va utiliser, vous allez devoir faire une ligne de commande dans la console, ici dans le terminal. Dans le fond, c'est comme quand vous installez Node. Vous allez faire npm pour installer le Node, node.js en temps normal. Et il va vous installer, j'aurais pas dû cliquer sur Enter, mais bon. Trop tard, c'est fait. En temps normal, il va vous installer le Nodes. OK, ouais, bon, il y a une erreur, c'est parfait, c'est excellent. Ça donne l'exemple que je voulais faire. Edit Explorer, OK, ouais, ça c'est pour la commande. NPM involved, OK, parfait. Parfait, il l'a juste pas fait. Habituellement, pour installer certaines choses, vous pouvez passer directement par le terminal, c'est excellent. Nous, ce qu'on va faire, on ferme ça ici. On va prendre aujourd'hui, donc, un nouveau tuto. On va essayer le tuto de GraphicArts. GraphicArts qui explique comment faire un Discord, donc un robot. Et moi, ce qui m'intéresse un peu dans sa ligne de commande, ça va être la partie... ça, c'est bon, je connaissais déjà ce code-là, c'est bon. Ce qu'on veut, nous, c'est cette partie-là. Donc, le bot on, si le message contient, on va copier à partir de là. Parce que c'est ce qui nous intéresse. On veut pas d'autre, l'autre bot on. On va utiliser le même bot on qu'on a, hein. Le même un bot soit suffisant parce que c'est permis jusqu'à 11 pour le même. Après ça, on commence à avoir des problèmes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va vraiment juste prendre le premier bot, on va copier toute la ligne de commande. Et on a déjà deux erreurs qui est due à tout simplement ça ici. Donc si la ligne de commande contient iPlay, on récupère le premier channel audio du serveur. Le premier channel audio, ben, c'est où ce qu'on va être, si on est en audio. Ensuite de ça, let's void channel égale message guild channel. Donc, lui, ce qu'il va faire, le bot, ce qui est demandé, c'est qu'il va parler dans le channel voice. Là, pourquoi hier, on lui a intégré cette autorisation-là. Donc, le premier channel voice disponible. Ensuite de ça, on récupère les arguments de la commande. Là, je vous le dis, je teste en même temps que vous. Je sais même pas si ça va fonctionner, si ça va planter, qu'est-ce que ça va faire. Donc, on récupère les arguments de la commande. Il faudrait utiliser une expression régulière pour valider le lien de YouTube. Ça, il va falloir que j'ajoute quelque chose ici. Message contient... on rejoint le channel audio. On va taper go, là. On rejoint le channel audio. On démarre un stream à partir de la vidéo YouTube. Donc, de ce que je peux comprendre, message contient split. Ça va être peut-être un lien ici, hein. Ça va être peut-être, ouais, pour valider le lien YouTube, ouais, ça va être peut-être un lien ici. On démarre un stream à partir de la vidéo YouTube, argument 1, stream on, erreur, fonction, je n'ai pas réussi à lire cette vidéo.
On envoie le stream au channel audio. Il faudrait ici éviter la superposition. On voit de plusieurs vidéos en même temps. OK. Donc ça, on va enlever juste ça. OK. On va essayer ça comme ça. On va faire un petit reset. Vous voyez, déjà en partant, dans son code, ce que je vois, c'est qu'il manque certains arguments. Le code a de l'air bon, sauf qu'il manque certains arguments dans son code. Donc, si je fais « il plaît », ça va revenir à peu près à mon YP2 ici que j'ai. Donc, déjà, il semble avoir un problème ici. Argument 1. Il va falloir probablement y ajouter des arguments. On va déjà tester si... On va déjà tester si je fais « il plaît ». Ah ben voilà. Il a planté, tout simplement. Et voilà, il a planté, tout simplement. Le code semble être bon, mais... Vous voyez, il y a comme un problème, parce que déjà, en partant, on fait F5. Et je vais en tester d'autres aujourd'hui, comme ça, hein. Ah oui, littéralement planté. On récupère le premier channel audio. Bon, on va aller dans celui-là. Déjà en partant, on va y faire un i. Et je garantis qu'il va planter encore. Ah non, il n'y a rien qui s'est passé. Ah oui, il plante. Son code plante. If message contient star which. Si le message contient il plaît. Ok, en gros, il manque tout simplement un module de développement. Du YouTube stream. Ça fait que son code qui est ici présent, son code qui est là présentement, c'est une partie de code non complet, tout simplement. C'est carrément une partie de code non complet. Bon, déjà, son code-là, il est parfait, ça c'est bon. Je peux garantir que ça c'est bon aussi. Ensuite de ça, ce code-là, il est bon aussi. Ces trois premiers codes sont bons. Là où ça se corse, c'est celui-là ici. Carrément. Celui-là ici ne fonctionne tout simplement pas. Si je fais un nouveau bot, déjà en partant ici, on va juste faire un... Undo. On va juste faire carrément un undo. OK. Donc, le undo. Ensuite de ça, on va juste aller chercher notre ligne de commande ici. Ah! Ouais, non, là, on va leur copier son code. Parce que par définition, oui, les idées sont bonnes sur ce qu'on trouve. Mais comme vous voyez, c'est pas toujours toujours parfait. Donc, on va en chercher d'autres tout à l'heure par la suite. Et après ça, ben, on va en faire nous-mêmes. Hein? On va aller en chercher nous-mêmes. Aussi, on est capable de faire des codes. Donc, déjà en partant, faut juste que j'enlève cette partie-là. Donc, on va essayer ça comme ça parce qu'on le voit ici, on récupère le premier channel audio serveur, ça c'est parfait. On récupère les arguments de la commande. Il faudrait utiliser une expression régulière pour valider le lien. Donc, ça ici, c'est go. L'argument régulière. On rejoint le channel audio. Void channel. On démarre un stream à partir de la vidéo YouTube. Donc, probablement que je pourrais essayer. On va faire un F5. On va essayer quelque chose dans sa commande. Il y a peut-être juste quelques... Oh, problème. Ah ouais, OK. Solide, mon erreur. Hein?
Vous vous souvenez, je parlais d'erreur des fois. Ah ouais, c'est pas compliqué, là, là l'erreur. What? Maintenant, c'est encore une erreur pareil. Moi, j'ai une erreur sur une ligne. Ok, on va juste revenir. On va juste recopier. Les idées parfois sont bonnes, sauf que sont pas tous complètes. Bon, j'ai pas d'erreur à date, ça a l'air parfait. Sauf que mais que je fasse le F5, ça risque de planter. Donc si on prend avec son bot on message de la part. Debug console, ça y va ou ça y va pas. Ok, donc si on fait e-play, on va tester sa commande. E-play patate. Ben voilà, il y a plein, il marche pas. Il plaît patate, ça marche pas. Parce que ce que nous, ce qu'on aimerait faire, hein, mais sachant que j'ai déjà un bot, hein, si je fais slash play, P-L-A-P-P-L-A-Y, slash play, petite patate. Ah ben, regarde, dans ça, Shadow répond même pas. Shadow est buggé aussi. Bon, ben. HL. Ah, ben, tiens, c'est bizarre ça. Mon bot là ne répond plus. Ah, mais c'est normal. Ah, ouais, j'ai très bien configuré. Je pense que j'ai un petit peu trop bien configuré mon channel. Ah ben non, ça marche pas. Tiens, c'est bizarre que le bot Shadowbot soit planté. Tiens donc. Ah ben tiens donc. C'est nouveau parce que le Shadowbot ça a toujours bien fonctionné. Puis-je savoir pourquoi que ça bug? Ah ben ouais, Shadowbot, hein, c'est pas moi qui l'ai codé déjà en partant. J'ai toujours fait le slash play. Puis là, ça marche pas ce matin. C'est bizarre. Bon, déjà, son code n'est pas si pire, mais moi, ce que je comprends pas. Okay, on va faire encore un. C'est sûr que ça va planter, c'est sûr. Ben non, les commandes répondent pas tout court, c'est bien bizarre ça. J'ai bien fait la bonne commande. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le bot ne plante pas. Mais il n'y a rien qui se produit. Ok, ouais, on va essayer de voir sur l'autre PC, voir ce qu'il va me faire. On va
voir si c'est un petit lag. Ça me surprendrait parce que mon autre bot fonctionne. Hein, si je marque pit, on l'a vu hier. Si je marque pit, lol. Hein, l'autre bot se répond normalement. Je ne verrais pas pourquoi que Shadow. Ah non, le Shadowbot ne répond tout simplement plus. Pourtant, Shadow a toutes les bonnes. Ah oui, il a toutes les bonnes autorisations pourtant. Bon, j'imagine que le Shadowbot doit être en maintenance. Sinon, on peut toujours aller voir sur le site de Shadowbot. Qu'est-ce qui se passe? Si on fait une mise à jour. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont fait juste des mises à jour. Sachant que d'habitude. Ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé avec le Shadowbot. OK, on va aller sur le site officiel pour commencer. On aime les bugs en live! Déjà, on va aller sur patreon.com. On n'est pas sur le bon site, on dirait. Créer sur vos termes. Démarrer une entreprise. Wow, qu'est-ce que c'est ça? P-A-T-R-O-N. www.patreon.com. Ouais, on fait un hashtag Shadow. Déjà, c'est pas là qu'on allait auparavant. Ah ouais, le site est même pas bon non plus. What the fuck? Mais. Mais. C'est bien le bon site, là. Je suis pas aveugle. P-A-T-R-E-O-N.com. S-A-D. B-O-T. Shadowbot. Chanteuse et cinéaste rock. Ah ouais, ok. Carrément, il y a eu une mise à jour du Shadowbot de 1. Les commandes ne sont plus disponibles. Hey! Allô, mec! Ton bot est cassé. Ah ouais, hein? Sa ligne de commande ne fonctionne même pas. H. LP
Ah ben tiens, Shadowbot ne veut plus répondre. Et si je fais Infobot, parce que les commandes sont là, hein? Ben oui, c'est bien hashtag play. Bah ouais, bon, ok. Le bot s'est cassé. Ah non, le bot, Shadowbot s'est cassé aussi. Hé! Quand c'est pas le mien, eh ben c'est un autre bot, hein! Ouais, Vegeta lui aussi était cassé, il a fallu que je le vire, fait que ça, on peut déjà supprimer ça. Vegeta Bot, c'est un plus là. Le PL était accessible pour... Le PL, peut-être pour lequel déjà? J'ai dû virer plein de bots parce que les bots ne fonctionnaient plus, n'étaient plus en ligne. Donc, un bot qui était connu, Picacord. Bon, ok, ouais. Ils ont carrément changé les commandes encore. Lui, je l'ai viré parce qu'il était gossant. Supprimé. Ouais, ok. Toi, tu es carrément cassé. Toi, tu es carrément cassé. Ah ben, il n'y a pas juste moi qui ai de la misère avec mes bottes, ça, ça a l'air. Retournons à nos moutons, sachant que normalement, cette commande est supposée fonctionner. On récupère le premier channel. Bon, semblerait que le bug, en fait, vient du module, de ce que je peux voir. Peut-être du module YouTube lui-même. Possiblement du module YouTube. Ouais, bon, ça c'est très descriptif, ça c'est bon. Ma problématique actuelle. Là, je tombe avec 3 erreurs. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je viens de tomber avec 3 erreurs? Oh, mais c'est fucké, là. Je tombe avec 3 erreurs sans raison. Ok, on récupère. Ça, c'est bon. On rejoint notre channel audio. J'ai juste effacé là ça, j'ai rien fait pour démarrer le stream. Semblerait que l'erreur vient quand j'efface cette parenthèse là. Ok, bon, c'est bon. Ben, je pense que l'erreur vient vraiment du module lui-même. Parce qu'en temps normal, son code, il est bon. C'est quand je parlais de mise à jour, faut se dire que la vidéo d'aujourd'hui, c'est on teste. Donc, on va essayer de pas scraper ce qu'on a fait, mais on teste. On teste ce qui est sur le web. Donc, des lignes de commande.
logiquement. Logiquement. Bon, quoi dire d'autre que sa ligne de commande, elle marche pas avec le bot là. Donc, il faut carrément juste que j'enlève ça. Tout à l'heure, j'avais fait... Okay. On va juste carrément tout effacer ça. On va retourner chercher le code. On va retourner chercher le code. À date, son code, si j'aurais le côté sur 10, je vous dirais bien que c'est l'idée est bonne, mais son code, ça vaut 2 sur 10 là présentement. If message content. Copier. Paste. On va faire la mise à jour. Je vois déjà deux choses qu'il faudrait que je modifie. Est-ce qu'il faudrait faire un module à part de 1? Parce que son code, il est bon, mais il ne fonctionne pas son code. Ou vraiment, l'erreur vient des modules elles-mêmes, parce que là, Shadowbot ne répond même pas. Là. Non, gars, il a planté. Bon, ok, ouais. Référence, message, non, note des fenêtres. Add client bots on. Bon, ça prend vraiment un bots on. Ben déjà avec le bots on, quand on met le bots on, copier. J'ai déjà un bots on, c'est ça, je comprends pas. On a déjà un bot on. Mais là, ce bot-là doit répondre tout seul. Ensuite de ça, l'autre erreur qu'on a, c'est au niveau du WebSocket. On a une erreur au Create Undoes. Réponse au message. Donc, il a oublié dans son code une réponse au message. Ensuite de ça, si on regarde plus loin, les paquets semblent pas être bons. J'ai bien mon WebSocket Package Manager, oui, il est installé. Si on va plus loin, j'ai une autre erreur dans un autre socket, ici. Packet Manager Under. Session invalidée will identify with a new session. Canceler de connexion. Je connais de trop. On a encore une autre erreur dans le socket ici. Il peut pas retourner le paquet. Il peut pas écouter non plus. Ah ouais, ok, il y a vraiment une grave, grosse erreur dans son message.
Bon, on a des renvois de messages un peu partout. En gros, son code, il manque des choses. Il pourrait être bien dans l'ensemble. Sauf qu'il faudrait déjà qu'il réponde. Il faut déjà qu'il réponde et il ne répond pas. Donc, on ne s'attardera pas plus sur cet essai-là. On va passer au code suivant. Dommage, parce que ça avait l'air intéressant. Ça a beaucoup servi, oui, mais là, c'est ça. Bot des commandes qui permettent le kickband, hein, bon, non. Faut dire que ça date de 2 mois, 1 mois. Le tuto lui-même date de... Il a pas mis son tuto à jour, c'est ça qui fait un petit peu trois petits points. Il y a 2 ans. Bon, OK, il y a 2 ans, oui, bon. Faut galérer dans le code avec l'API. Ça, c'est sûr. Donc, on passe au code suivant. On teste un code suivant. Code bot Discord lecteur YouTube. Hein, on essaie d'en faire des faciles pour ne pas se casser la tête. Ah, ouais, il y a beaucoup de vidéos, là. Diffuser de la musique via Discord. Virtuel. Bon, ça, j'imagine que c'en est un qui est déjà prêt. On va taper juste code source. Wow, wow, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une faute de frappe ici. C'est lecteur, L-E-C, non. Ah, mais, putain, pourquoi tu changes de place comme ça? J'ai eu qui fait ça. Code bot Discord, lecteur YouTube. Simple YouTube playback bot... Comment faire créer? Ah, là, là, là. On a beaucoup en anglais. Bon, on va commencer. On va le voir ici. Ah non, là, c'est sûr, j'ai quelque chose qui vient d'essayer de se connecter. On l'a vu clairement. C'est pas supposé flasher comme ça, là, hein? Bon, ça c'est pour le Kidgebot. On va aller voir dans son code source. De quoi avez-vous besoin pour installer le logiciel et comment les installer? OK. Déjà, copier. On va aller dans... Ça a l'air popé. On va aller dans le terminal, on va faire un coller. Il me semble que je l'avais déjà installé. Je pense que je l'avais déjà installé, ça. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ah ouais, génial, il répond pas. Et pourquoi ça? Non, non, il y a vraiment un bug actuellement. Non, c'est sûr qu'il y a un bug. Le terminal ne répond tout simplement pas. Oh, mais what the fuck? Comment c'est comique, ça? On va essayer de faire une commande, ouais, si je tape bonjour. Si vous me répondez.
Ah, ok, il installe. Excellent. Oh, rollback faillite. Oh, il y a un rollback! Quand on teste des codes, là, des fois, là, c'est juste trop chiant. Ok, ça y va tranquillement, mais sûrement. Bon, les wands sont des messages normaux. Par contre, les modérates sévérés vulnérabilités, ça c'est très important de les corriger. Donc, si vous pouvez, vous faites, comme il dit, NPM Audi. Ça se peut qu'il n'y ait même pas de fixe disponible. Semble pas y avoir de fixe disponible. On fait un petit peu trois petits points, hein. J'ai oublié de vérifier de quand qui datait son poste. Configuration option, tout d'abord, vous devez créer un objet client Discord, par exemple. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, on va falloir le créer. Skip sauter une chanson, liste. Son poste, il date de combien de temps? 12 commentaires, une branche, ils ont sorti. Il n'y a pas de date. Ah oh ouais! Ça date un petit peu, là. Ah ouais, ok, il va falloir fusionner la branche maître aussi. Cloner ou télécharger, on va carrément télécharger. Télécharger le zip. Ça va nous le prendre parce que pour créer le code. Install request. Bon, ok, j'ai des erreurs en bas. On va faire le install request. Lui, je sais que je ne l'ai pas. Lui, je sais que je ne l'ai pas, celui-là. Ça, c'est assez simple à faire parce que vous pouvez personnaliser vos bots. Donc, on va avoir du fun à personnaliser. Déjà, sachant que là, il y a un méchant gros lag au niveau des serveurs de Nodes actuellement. C'est vraiment un lag du tonnerre. Oh là là! Il y a vraiment un méchant beau gros lag. Mais sinon, celui-là, une série d'exemples pas à pas qui indiquent que vous devez exécuter un environnement de développement, télécharger Discord et déclarer là. Requiert, bon, ça, il va falloir déclarer dans notre bot. Bon, ça c'est bon. Ensuite, créer un objet bot basé sur le client. Bot setup. On va prendre celui-là ici. Sauf que il va falloir se créer un nouveau bot. Ah non, je peux le faire dans le même en fait. Ouais, on va le faire dans le même.
On va juste. On peut pas se fourrager dans nos choses. Bot setup. On va prendre celui-là ou celui-là? Vive Channel ID. Le token key, on n'aura pas de besoin. On va prendre celui-là ici. YouTube API key, node you API token, server ID, void channel. Ok, il va falloir vraiment rentrer le token. On va commencer par ouvrir ici. On va aller l'instaurer dans notre dossier. Un coup que ça s'est inséré dans notre dossier, on va l'ouvrir. Bon, ok. Semblerait que plusieurs commandes sont déjà dedans. Ça, c'est bon. On a déjà plusieurs commandes d'intégrer. Il reste juste à l'intégrer. On va essayer, puis sinon, ben, on arrêtera le live et on reviendra plus tard pour la suite. Le temps qu'on débogue un peu et je vous expliquerai ce qu'on a fait. Mais celui-là semble être bon. On va essayer d'intégrer ça. On va terminer le live aujourd'hui là. Je vais essayer d'intégrer tout ça à mon bot et je vous reviendrai avec un prochain live.